because I'm going to Austria. No, but not with this in Switzerland. But in Switzerland, this vehicle is not allowed in all the countries. Okay. Only in a private place. You understand? Okay. Yes. Yes. And trottinette, scooter. Scooter, but you need two brakes. Okay. You need lights. Yeah, I have light. I have. Yeah, but here you have no brakes. Not two brakes. Huh? Yes. For brakes. Yeah. But this one is not it's not like a trottinette. Huh? Okay. Yeah. What's the problem? I tell you. Thank you very much. What you do is your problem, huh? Thank you. Bon, voilà, on a la réponse. Donc effectivement, c'est interdit. Donc bon, on va croiser les doigts hein, sur mon chemin pour pas que je me fasse embêter. Là, ça passait, mais bon, voilà, je suis prévenu, et vous aussi. Alors mercredi 14 août, il est 13h36 et après avoir roulé quasiment 90 km sans recharger, j'ai trouvé un spot au lac de Zoug et voilà, une petite plage privée, 5 francs pour une fois que c'est pas cher, donc c'est cool, 5 francs suisses. Et regardez-moi ça. Enfin là, ça va être vraiment cool. J'étais en train de monter la côte qui est juste derrière, j'avais plus de batterie et je vois là des jeux pour enfants. Je tiens, ça a l'air pas mal. Et puis il y avait donc juste ici une petite box avec des toilettes. Devinez ce qu'il y a dedans, des prises électriques. Donc je vais passer la nuit ici, ce sera un petit bivouac sauvage. Je sais pas si je vais monter la tente ou si je vais juste installer le matelas gonflable, peut-être là-dedans avec le duvet, ça peut être sympa. Bon, j'ai plus qu'à attendre que la nuit tombe. Left you sleeping alone in your bed. I guess I did let you down. In a wake up state and out too late. Trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. Du lac Valency et il est quasiment 12h30, je cherchais un endroit où recharger, j'ai roulé quand même 86 km et il me restait encore de la batterie. J'ai trouvé des toilettes, la petite prise à l'intérieur, juste ici. Tac. En plus, j'arrive à fermer la porte, comme ça si des gens veulent aller aux toilettes, il n'y a pas de souci. On arrange la roue. Et puis moi,
mon petit spot au calme. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est magnifique. Et je vais sûrement aller me baigner aussi. Là-bas, là, de l'autre côté, c'est le Liechtenstein. La frontière ici, c'est le Rhin. Et moi, je suis encore en Suisse, mais je pense que ce soir, je vais essayer de passer la nuit là-bas. Electrical outlet. Toilet, it's open. Toilet, yes, I think. Okay. Bon, j'ai appris grâce à ces personnes-là qu'on dit pas Liechtenstein, mais on dit Liechtenstein. Je sais pas le dire. Bon, je suis avec Nicolas. Il avait qu'une envie, c'était d'essayer. Donc on va lui montrer ça, c'est parti. Yes. What's your name? Luca. Luca. What a clump. It's your first time? No, no. Ah. Non. Bon, apparemment je tombe bien parce qu'on est le 15 août et ce soir à Vaduz, je crois que c'est la capitale de Liechtenstein, il y a un feu d'artifice et donc les jeunes me conseillent d'y aller. Malheureusement, le temps n'est vraiment pas terrible, donc si ça se libère, je vais pouvoir y aller, c'est à 22h, donc j'ai encore un peu de temps. Vendredi 16 août, il fait super beau. Hier soir, bah, j'ai pas pu profiter du feu d'artifice. On le voyait un tout petit peu d'ici. Mais avec les nuages et tout, et la pluie, c'était vraiment pas agréable. Donc j'ai laissé charger ma roue aux toilettes du gymnase. Quand ça a fini de charger, je me suis posé là-dedans. Hop, j'ai fermé la fermeture. Tac, j'étais bien. Et là, donc il est 8h30, passé. Je suis toujours donc au Liechtenstein. Et puis, bah, je continue. Hein. On va passer à la capitale Vaduz. Puis après, ce sera direction l'Autriche. Bon, quand même, un petit mot sur l'accès cyclable et la pratique de la giroroue en Suisse. Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis fait arrêter une seule fois. L'avantage, c'est que les pistes que j'ai prises sont quasiment que des petits chemins, voire même que des pistes cyclables, avec quand même quelques grosses villes et des axes partagés, donc j'aurais pu me faire arrêter ailleurs. J'ai passé 5 jours merveilleux, malgré la météo un peu changeante toutes les heures. Ça a été vraiment un kiff visuel. Donc la route numéro 9, je valide et je vous la conseille. Donc pour l'instant à vélo, et puis quand ce sera autorisé pour les monoroues, en monoroue, un régal. Et moi j'y retournerai sûr et certain, parce que comme vous avez vu sur la carte, il y a plein d'autres itinéraires avec d'autres belles vues comme ça, d'autres villes à visiter. Donc j'y retournerai. Mais on attend que la loi change en Suisse. S'il vous plaît, amis suisses, autorisez-nous à circuler. Sachant qu'en trottinette, c'est tout à fait autorisé parce que bah, y a des freins. Allez, moi je continue. Ça y est, je viens tout juste de passer la frontière autrichienne. Il y avait des policiers. J'ai tout de suite demandé si j'avais le droit d'utiliser une giroroue. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, allez-y. Cool. Donc, l'Autriche, me voici.
je me suis renseigné un petit peu sur les réglementations en Autriche. L'utilisation du drone est interdite et le bivouac aussi. Donc, bon, autant vous dire que pour les vidéos, bah, je vais faire ce que je peux. It's a long road. How many kilometers? 25. 25? Ok, 25 km de montée. Je suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout, on va tenter. C'est très serré en plus là. Sinon ça va se finir à pied ou alors je vais redescendre, on verra. Ça grimpe hein. Et j'ai plus beaucoup de batterie là, il me reste que 3 bars. Et ouais, plus assez de batterie. Mais j'étais tout en bas là quand même. Hein. Je pense que. Enfin j'espère que je suis bientôt arrivé. Parce que là. Ça devient sportif. Mais KO, je sais pas quelle heure il est, il doit être 20h, 20h30. Je crois que ça y est, j'arrive enfin tout en haut, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et on dirait qu'il y a un peu de vie, je vais pouvoir peut-être manger et recharger un petit peu. Ok. À peine rechargé 30 minutes, je repars. De toute façon, là, ça fait que descendre. Donc, il n'y aura pas de souci pour faire plusieurs kilomètres. J'ai les boules parce que j'ai cassé le bout, là. Donc, je suis obligé de tenir la caméra à la main. Donc, il va falloir que je retrouve un petit embout GoPro vis, vous savez, comme sur les appareils photo. Donc, voilà, mission pour demain. Et en tout cas, c'est très beau. Mais il fait très froid, là. 2000 mètres d'altitude, ça caille. Ouh.